Le président Alassane Ouattara a présidé le premier conseil des ministres le 20 avril 2022 au palais présidentiel. Il a profité de cette séance pour prodiguer des conseils aux ministres. Lors du compte-rendu du premier conseil des ministres de prise de contact, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, a révélé ce que le président Ouattara a confié aux ministres. Ci-dessous ces révélations. Ouattara encense les ministres sortants. Le président s'adressant aux membres du gouvernement les a invités à relever les défis annoncés par le premier ministre, Patrick Hatchi, note de la rédaction, non sans avoir une adresse particulière à l'endroit des anciens membres du gouvernement qui n'ont pas démérité, mais vu les exigences de réduction des membres du gouvernement, il fallait faire sortir quelques-uns, mais cela n'est pas dû au fait qu'il ait démérité. Ce gouvernement resserré répond donc à un souci d'efficacité mais également à une meilleure gouvernance. Le choix des directeurs de cabinet désormais soumis à validation du Premier ministre. Ce gouvernement comprend aujourd'hui 32 membres essentiellement, au lieu donc des 41 membres que nous avions, et nous n'avons plus de secrétaire d'État ni de ministre délégué. Le président de la République, vu la taille des ministères qui ont été constitués à partir donc des différents regroupements de portefeuilles, a indiqué que le choix des directeurs de cabinet soit soumis à validation par le Premier ministre. Lire aussi Côte d'Ivoire, voici le message poignant de Thomas Camara, ex-ministre des Mines, éjecté du gouvernement. Les ministres ont été invités à se mettre au travail aussitôt, et cela dans le respect des principes de bonne gouvernance. Le chef de l'État a surtout demandé à chacun des membres du gouvernement à faire preuve d'humilité dans l'exercice de leurs fonctions vis-à-vis de nos concitoyens. Enfin, il a souhaité plein succès à chacun et chacune des membres du gouvernement.